in a villa in a little old Italian town. Lives a girl who beauty shares the rooms. Many aim to love her, but they hope so tumble down. What does she want? No one knows. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide the broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They're just like this, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely walk of art? Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Oh, is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They're just like this, and they die there. Just a cold and lonely, lovely walk of art. Mona Lisa, Mona Lisa. ショートのなんでもやだが最近凝ってるのが原子爆弾。学歴もないくせに取り組む姿は本当の天才かもしれない。日がない一日仕事場にこもり実験に熱中。夜になると帰ってきて僕たちに話してくれる。爆弾なんて私には朝飯前さ、嘘じゃないしごく簡単。起爆剤も私には15分で解決。
ずだすこぶる簡単、何もかもが私には優しすぎる、本当さあまりに簡単、だが一つだけ私にもわからない、爆発距離が3メートル50って問題、何かが気になる、すぐ仕事場に戻らなくても、僕のおじきは何日も研究にもっと愛情込めて爆弾のもといじる、お袋が息抜きにと感触だまし掛けたが、おじきはちょっと笑っただけ、ある一人小屋を爆破しよう落として失敗、包帯だらけのおじきが僕たちに言った、年取るごとに私には自分のことが分かってくるのだが、頭の中が私には故障してるのがよく分かっている、正確には脳みそがめちゃくちゃだ、味噌というよりクッソ、だが心配ない、問題は一つだけ、どこに一体爆弾が落ちるのか、何かが気になる、すぐ仕事場に戻らなくては、もうすぐ爆弾が完成という、ある日国を代表する偉いさんたちがおじきに面会を求めてやってきたが、おじきは彼らを家に閉じ込め、おとなしくしろと言いながら爆弾に点火、たちまち彼ら影も形も消え失せた、裁判所に連行されたおじきは少しも騒がず、裁判官の前にしてバカのふりもごもごと答えて、旦那のと口ガイドをぶっ飛ばし、足は表彰されるのですかね、お国のためによくやったでかしたと褒められるのですかね、困り果てた人々すぐさま彼の記念碑を建て、すぐさま彼をなんと大統領にした、par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé,
De tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.手紙を書きます。もしお暇があれば読んでください。僕は今戦争に行くようにとの令状を受け取りました。いわゆる赤紙です。 大統領閣下、僕は嫌です。戦争をするため生まれたのではありません。勇気を出して会えています。僕は決めました。逃げ出すことを。 生まれてこの方、父の死を見て、兄は戦場へ行き、子供が泣くのを見、悲しむ母を見ました。その母は墓の中、爆弾も兵器、ウジ虫も兵器。牢から出た僕に、 愛する妻も過去の愛しい日々も魂さえない。明日の朝早く忘れたい思い出を部屋に閉じ込めて僕は旅立つ。行く先決めず見知らぬ。 Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir
mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.昔は良かった。女に惚れたら愛の言葉を送って心を奪った。けれど今や事情は全く変わった。我が天使の気を引くために耳元で囁くのは愛する人。 キスしてくれたなら冷蔵庫でもミニバイクでも自動ミキサーそれからマットレスお望みならオーブン付きのガスレンジプレゼントする回転装置だ。 昔は良かった。喧嘩をしても、ただ出て行っただけ。何も持たずにね。けれど今や事情は全く変わった。実家に帰れと言って、自分は残る。おい、お前。 謝らないなら。
みんな置いてけ。俺の冷蔵庫、俺の流し台、俺の食器棚、俺のアイロン、俺の靴磨き、俺のストーブ、俺の製氷機、俺のポケペン、回転装置だ。ドレッシング用のゴミ処理器具、それからフライ切り。けれどまだ彼女が反抗するなら叩き出します。それが人生さ。ジャガイモ潰し機、トマトの芯抜き機、鶏の皮剥ぎ機。けれどすぐさま可愛い別の女が訪ねてきて、微笑みかけられるといとも簡単手を打つだろう。それが人生さ、また次のさよならだ。それが人生さ、また次のさよなら。Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.